voyager dans toute l'Europe sans se ruiner. Depuis 20 ans, c'est ce que la compagnie aérienne irlandaise Ryanair propose au départ du petit aéroport régional de Ann, dans le Hunsrück. Au début, l'enthousiasme était général. Toute l'Allemagne du Sud venait ici à l'aéroport, ainsi que le Luxembourg et l'Alsace. C'était incroyable. Le principe, des vols à portée de toutes les bourses pour découvrir des destinations lointaines. J'ai dépensé plus en taxi pour me rendre à l'aéroport que pour mon ticket d'avion pour Berlin. Tout cela a été rendu possible grâce à des millions d'euros de subventions. Mais aujourd'hui, Ryanair en veut encore plus et s'attaque aux métropoles. Est-ce la fin de l'aventure pour la petite ville de Hahn? Évidemment, maintenant que cette compagnie est connue, elle tourne le dos aux petites régions isolées. Au milieu de la région du Hunsrück se trouve le village de Hahn. 188 habitants, aucun commerce. Mais un aéroport. Presque tous ceux qui habitent dans le coin y ont déjà pris l'avion. Notamment Monika et Peter Benke qui habitent à seulement 10 minutes de l'aéroport. L'arrivée de Ryanair a changé leur vie. Demain, ils s'envolent pour Torremolinos, tout au sud de l'Espagne. C'est la première fois que le couple part aussi loin. Je n'étais jamais allée plus loin que la forêt noire. À l'époque, j'avais 15 ans. C'était un vrai périple. Tu es allée jusqu'au lac de Constance? Oui. Depuis que les vols de la compagnie low-cost irlandaise décollent du village voisin, ces deux retraités prennent souvent l'avion. Ils ont pratiquement fait le tour de l'Europe. Venez voir dans ce placard. Il y a tous les guides de voyage qu'on a achetés au fil des années. C'est ça qu'il y a de bien quand on part avec Ryanair. On fait connaissance avec une région, avec ses habitants. C'est formidable. On se retrouve plus rapidement en contact avec des gens. Pas seulement ceux du coin, mais des personnes de toute nationalité. On a été très bien accueillis partout où on est allé. On n'a jamais eu de problème, de conflit. Quand on se montre respectueux, les choses se passent bien. Tu as encore une paire de chaussures, c'est ça? Oui. Les autres sont dans ma valise. Chaque année, le couple s'accorde au moins un voyage en avion vers le sud, en plein cœur de l'hiver. L'Espagne, c'est à 2000 km d'ici. Si on devait y aller en voiture, en passant par l'autoroute, on devrait payer les péages, l'essence, l'entretien de la voiture. À côté de ça, l'avion s'est donné. Mais avant de partir pour l'Espagne, il faut réfléchir au prochain voyage. Peter Benke fait partie des habitués locaux de l'Irlande. Au moins une fois par an, tout ce petit groupe s'envole vers l'île d'Emeraude, le pays natal de Ryanair, pour y retrouver les amis qu'ils se sont faits au fil du temps. Dans la ville de Limerick, en Irlande, il y a aussi un petit groupe équivalent qui vient régulièrement dans le Hunsrück. Aux yeux des personnes réunies ici, l'Europe s'est soudée grâce à des billets d'avion pas chers et au kérosène défiscalisé. Les Irlandais ne nous montrent pas l'Irlande des touristes. Ils nous font découvrir les endroits cachés. Par exemple, ils nous font monter en haut d'un clocher parce qu'ils connaissent le sacristain. Nous, de notre côté, on leur fait découvrir de jolis coins où les touristes n'iraient pas. C'est un peu comme une excursion dans le voisinage. Ce n'est pas comme un grand voyage loin de chez soi, mais une excursion comme à la maison. Et tout cela, c'est grâce à l'installation de l'aéroport dans la ville de Hahn. C'est merveilleux. Ce serait idiot de passer à côté de cette occasion. On a la possibilité de voyager facilement.
Pourquoi ne pas en profiter? Par exemple, on est tous allés à Pise pour 1 euro. Ryanair avait pris en charge les taxes. C'était une opération spéciale. On y est allé à 8 pour 1 euro chacun. On a loué un bus et on a fait du tourisme. C'était chouette. Un aller-retour pour Pise dans la journée, franchement, ce n'est pas très bon pour l'environnement, ça. Je connais des gens qui sont allés faire du shopping à Milan. Même chose, départ le matin, retour le soir. C'est pas exceptionnel. Les riches font ça tout le temps. Ils vont à New York pour faire leurs courses et ils trouvent ça normal. Pourquoi est-ce que nous, humbles habitants de Hunsrück, on ne pourrait pas faire un saut à Milan? Pourquoi pas? Michael Wilvert habite également dans le Hunsrück. Il est né juste à côté de l'aéroport, à l'époque où c'était encore une base militaire américaine. J'ai grandi ici. Je suis allé à cette école là-bas. J'ai vécu toute ma vie dans ce coin. J'ai fait mes études. J'ai suivi une formation de mécanicien automobile. Vers 18-19 ans, je me suis lancé. C'est à ce moment-là que l'armée m'a contacté. Voilà. Le Hunsrück est une belle région, mais ce n'est pas facile d'y vivre. Surtout à l'époque où il n'y avait pas encore de compagnie low cost, mais un taux de chômage à 2 chiffres. La situation a changé du jour au lendemain avec l'arrivée de Ryanair. Michael est devenu employeur. Aujourd'hui, dans le petit village voisin de Lautzenhausen, juste à côté de l'aéroport, il possède 2 hôtels aménagés dans une ancienne ferme. Lorsque l'entreprise irlandaise est arrivée, Michael Wilvert venait de commencer ses études. Il avait une idée, mais pas d'argent. Je m'ennuyais pendant les grandes vacances et j'ai vu que la vieille ferme était à vendre. Ma femme avait travaillé à l'aéroport, dans le nouveau terminal qui venait d'être construit. Cela faisait 2 ans que Ryanair était là et la question de l'hébergement des voyageurs se posait. J'ai alors imaginé une idée en lien avec mes études en gestion et en mécanique. La mécanique, ça vient de mes origines et la gestion, c'est parce que c'est utile. J'ai donc présenté un projet et la banque m'a dit « Oui, monsieur Wilvert, ça a l'air bien. Allons-y. » C'est comme ça que nous sommes devenus hôteliers et que nous avons construit le premier hôtel. L'établissement s'est donc adapté aux besoins de l'aéroport, alors en croissance. Il propose un petit déjeuner dès 4 heures du matin, un service de navette fonctionnant 24 heures sur 24 et de nombreuses places de parking pour les passagers que l'on va récupérer au terminal après leur voyage. Pour le jeune hôtelier de Hunsrück, c'était parfait. Évidemment, c'était un peu tendu avec Ryanair, dans la mesure où nous devions uniquement notre présence ici à celle de l'aéroport. Je ne sais pas ce que je ferais sinon, mais je ne serais sûrement pas ici, à mon compte, à employer 60 personnes. Il y a 20 ans, lorsque Ryanair a choisi l'aéroport régional de Hahn comme base de ses activités en Allemagne, cela a suscité de grands espoirs. Des millions d'euros de subventions publiques ont afflué vers le Hunsrück. Les vols de nuit sont autorisés dans cet aéroport qui s'appelle aujourd'hui Francfort-Hahn, un nom plus vendeur, même si la métropole est à presque 2 heures d'autoroute d'ici. Le maire, Harald Rosenbaum, se souvient de l'espoir immense que les gens avaient placé dans l'aéroport. À l'époque, personne ne connaissait Ryanair. La compagnie s'est servie de Hahn pour développer une ligne aérienne vraiment forte sur le continent européen. Je crois que l'élément déterminant a été la possibilité de fonctionner 24 heures sur 24. On parlait de 12 à 14 millions de passagers. C'était l'âge d'or, en quelque sorte. Die goldenen Zeiten, möchte ich sagen. Mais les espoirs des élus régionaux ont été déçus. La fréquentation n'a jamais dépassé les 4 millions de passagers, chiffre record de l'année 2007. Depuis, la compagnie low-cost irlandaise ne cesse de se désengager de Hahn. Surtout depuis 2014, lorsque l'Union européenne a décidé, pour des raisons de concurrence, de réduire les subventions pour les aéroports régionaux. En 2018, moins de 2 millions de passagers ont pris l'avion depuis l'aéroport du Hunsrück.
Le chiffre d'affaires des commerces situés avant la zone d'embarquement s'en ressent. Entre deux vols, le terminal est désert. Aujourd'hui, plus aucun problème pour se garer. Des avions de Ryanair continuent néanmoins de décoller d'ici, même s'ils sont moins nombreux. Actuellement, il y a deux vols par jour. Quand on embarque dans le premier, il faut se lever aux aurores, même si on habite juste à côté, comme Monica et Peter Benke. On avance déjà. J'aurais bien pris un petit café. Ils ont tous deux leurs cartes d'embarquement. S'ils ne les avaient pas imprimées eux-mêmes, ils auraient dû payer 55 euros de plus au guichet, chacun. À cela s'ajoutent des frais supplémentaires pour des bagages en soute, le choix du siège et la possibilité d'embarquer un bagage à main en cabine. Peter connaît bien tout cela et a soigneusement pesé sa valise avant le départ. Sinon, voler en low cost pourrait lui coûter cher. C'est bon pour la valise. Combien est-ce que ça aurait coûté à 21 kilos? C'est 11 euros de plus par kilo supplémentaire. Merci. Ensuite, ça se passe comme dans tous les aéroports régionaux de Ryanair. Une hôtesse coche le nom des passagers à la main sur une liste. On suit un petit couloir. Puis on marche sur la piste de décollage jusqu'à l'avion prêt à partir. Il est 6h30, il fait 4 degrés. Dans 3 heures, le couple Benke atterrira en Andalousie. À bord, il faut que les choses aillent vite. En général, les avions de Ryanair restent moins d'une demi-heure sur le tarmac. Là aussi, l'entreprise réalise des économies. Juste après le décollage, commence la vente à bord. Il faut payer pour la moindre boisson ou le moindre sandwich. Ensuite, on passe à la vente des cartes à gratter Ryanair. Le personnel navigant est formé à en écouler le plus possible. D'après l'annonce diffusée à ce moment-là, les profits sont reversés à des organisations humanitaires. Vous soutenez notre association caritative en faveur des enfants. Mais ce n'est pas ce qu'a révélé une enquête parue dans la presse britannique. Ryanair n'a pas le droit de faire ce genre de choses, puisque le tirage au sort se déroule dans l'espace aérien international, sans aucun contrôle public. Chez Ryanair, les hôtesses de l'air touchent un salaire maximum de 1 800 euros brut, c'est-à-dire beaucoup moins que leurs consoeurs d'autres compagnies low cost. Beaucoup d'hôtesses basées à l'aéroport de Hahn habitent à Lautzenhausen, à seulement 800 mètres du terminal. Ce petit village de 350 habitants regorge de places de parking louées à des clients de compagnies aériennes. Steffi Becker vit ici avec sa famille depuis toujours. Il y a 2 ans, elle a réalisé son rêve. Avec son mari, elle a transformé une bâtisse délabrée en maison de vacances. La proximité de l'aéroport lui a apporté un bon salaire d'appoint, en plus de son mi-temps dans un bureau. Elle loue parfois à court terme à des stewards ou des hôtesses de Ryanair qui n'ont pas encore trouvé de logement. Ces jeunes gens viennent presque toujours de l'étranger. En tout cas, aucun ne considère ce métier comme un métier de rêve.
Je pense qu'ils font ça plutôt par besoin. Au Portugal, en Espagne ou dans les pays d'Europe de l'Est, le taux de chômage des jeunes est élevé. Ce métier est une branche à laquelle ils s'accrochent pour entrer facilement dans la vie active. Ici, au Training Center de Hahn, ils suivent un cours accéléré de 6 semaines pour devenir personnel de bord. Et ensuite, ils sont répartis n'importe où en Europe. Et ils commencent directement à travailler. Steffi connaît l'histoire de ses futurs employés de Ryanair. La formation de 6 semaines est très difficile pour la plupart d'entre eux. Beaucoup parlent très peu anglais. À cela s'ajoute le mal du pays de ces candidats souvent très jeunes et qui n'étaient jamais partis aussi loin de chez eux. En arrivant ici, beaucoup ont d'abord été choqués de se retrouver dans un coin perdu, en quelque sorte. Leur vie se réduit à des nuits dans des dortoirs avec des lits superposés, des cours à la journée et pas grand-chose d'autre à faire. S'ils devaient habiter à Francfort, ils auraient du mal à se payer un logement. Leurs salaires sont si bas qu'ils n'arriveraient pas à joindre les deux bouts dans cette grande ville. Le syndicat UFO regroupe des hôtesses de l'air et des stewards indépendants et défend leurs intérêts. Ici, le juriste Harry Yeager est l'interlocuteur des collègues de Ryanair. Il devait nous arranger un entretien avec une hôtesse pour qu'elle nous parle de son travail. En principe, monsieur Yeager, nous avions rendez-vous pour nous entretenir avec une hôtesse de Ryanair. C'est exact. Comme vous le voyez, elle n'est pas là. Elle a annulé au dernier moment parce qu'elle ne veut plus s'exprimer sur le sujet. Pour la citer, après 11 ans et demi dans l'enfer de Ryanair, elle a dû augmenter considérablement sa dose de médicaments, pour la première fois depuis longtemps. Et elle ne souhaite plus évoquer ce sujet précis. C'est la pause déjeuner, l'occasion pour Harry Yeager de discuter avec ses collègues. Beaucoup d'entre eux ont travaillé à bord des vols de Ryanair et connaissent très bien les conditions de travail. Malgré cela, ils sont toujours étonnés par les informations que leur donne Harry. Est-ce qu'ils savent où ils seront basés? Ou est-ce que Ryanair décide unilatéralement? Quand Ryanair a réduit les effectifs à Vetze, ils ont dit, toi, toi et toi, vous partez pour Bucarest dans 3 semaines et demie. Bucarest. D'après ce que j'en sais, les critères sociaux ne sont pas entrés en ligne de compte. J'ai aussi vu des bulletins de paye avec un salaire net ne dépassant pas 3 chiffres. Ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont on traite certains sujets ou certaines situations que l'on considère comme intolérables en Allemagne depuis des décennies. Mais chez Ryanair, ça passe. Par exemple, quand vous tombez malade, vous devez expliquer précisément de quoi vous souffrez. Mettons que vous disiez que vous avez une grippe. À l'autre bout du fil, votre interlocuteur va vous demander de lui expliquer précisément les symptômes. C'est également pris hors contexte et noté dans des dossiers. Ensuite, quand vous avez été malade pendant une période un peu longue, ou alors de façon répétée, ou que vous avez eu un rhume 2 fois dans l'année, vous risquez de recevoir une lettre vous disant « Vous avez été malade à telle ou telle date, vous avez eu tel ou tel symptôme, ça n'est pas acceptable. » C'est ce qu'ils appellent des « warning letters ». On est confronté à cela depuis quelque temps en Allemagne. Et c'est en contradiction avec le droit du travail de ce pays. Franchement, il y a de quoi se prendre la tête entre les mains en se disant « C'est pas possible, mais c'est bien réel. » Peu après 10 heures, l'avion de Ryanair en provenance de Hahn amorce son atterrissage à Malaga. Malgré un retard au décollage, il atteint sa destination à l'heure. Torremolinos, un ancien village de pêcheurs, n'est qu'à 20 minutes de route de l'aéroport.
Ici, tout est prévu pour les touristes venus d'Allemagne, des Pays-Bas ou de Grande-Bretagne. Les prix sont abordables. Le soleil brille 300 jours par an. Après un trajet en navette, Peter et Monica arrivent sur leur lieu de vacances. L'important, c'est le soleil. C'est pas comme au Hunsrück où il neigeait ce matin. Fini les manteaux d'hiver. C'est formidable. Leur hôtel 4 étoiles appartient à une chaîne espagnole. Même en basse saison, comme maintenant, la plupart de ses 1200 lits sont occupés. Peter et Monica ont pris une offre forfaitaire pour 2 semaines. Elle comprend les billets d'avion, les navettes, des excursions et une voiture de location. Du café à la sangria, tout est inclus. Coût par personne, moins de 700 euros. Il ne reste plus qu'à leur mettre au poignet le bracelet bleu, tout compris. Nous aimerions vous demander quelques renseignements. Allez-y. Est-ce qu'il y a des bars dans l'hôtel ? Et est-ce qu'il y a des activités prévues ce soir ? Je ne sais pas ce que vous avez reçu comme information sur nous. Vous avez eu ceci ? Oui, mais nous n'avons pas trop regardé. Attendez, je mets mes lunettes pour pouvoir mieux vous expliquer. De ce côté-ci, c'est en allemand. Merci, c'est très aimable à vous. Le numéro 17 correspond au restaurant principal, Arco Blanco. Le 18 au restaurant italien, le Dolce Vita. Le 19 au Marina Sardina, le restaurant andalou. Et le 21 au bar des sports. Ici, il y a une porte qui mène à la mer, mais il faut badger pour l'ouvrir. Après ce petit briefing, les deux vacanciers vont enfin profiter du soleil. Il fait 20 degrés de plus que ce matin dans le Hunsrück. Et cela en plein hiver. Les hôtels ont beau être remplis, la promenade de Torremolinos est calme. Dès le premier jour, le couple Benke abandonne son petit groupe pour aller découvrir la cuisine andalouse typique. Nous aimons bien nous mêler à la population locale en tant que touristes. Si nous ne dépensions pas d'argent auprès des commerces du coin, ils finiraient par disparaître. Il ne resterait plus que les hôtels, ces espèces de forteresses insensées qui se construisent partout. Chez les jeunes Espagnols, le taux de chômage dépasse les 20 ou 25%, peut-être plus encore. Je trouve ça triste. Ça n'est pas l'Europe sociale que nous aimons. Depuis plusieurs années, Peter et Monica parcourent l'Europe grâce aux vols low cost. Personnellement, voilà ce que je me suis dit. Le jour où Ryanair aura définitivement quitté Han, je ne voyagerai plus avec cette compagnie. Les gens feront ce qu'ils voudront, mais pour moi, ce sera fini. La seule raison pour laquelle je prends leur avion, c'est parce que j'habite à côté. Si à l'avenir je dois aller jusqu'à l'aéroport de Francfort, je choisirai une autre compagnie. Et cela risque d'arriver plus tôt que prévu. De plus en plus de vols de Ryanair partent depuis Francfort. Une situation à peine imaginable il y a encore 2 ou 3 ans. Mais pour se développer là-bas, la compagnie a besoin de plus de passagers afin de diminuer les taxes qu'elle doit payer et de rentabiliser au maximum les terminaux. Olaf Simon se réjouit de cette nouvelle implantation. Depuis des années, avec son comité de défense, cet habitant du Hunsrück mène un combat contre Ryanair, surtout contre les vols de nuit. Moins d'avions de la compagnie irlandaise, cela voudrait dire aussi moins de bruit. 84,2. J'en suis bouche bée. Il y a déjà 30 ans, lorsque cet aérodrome a été transformé en aéroport civil, les hommes politiques ont tenté d'expliquer que le bruit des avions s'arrêterait au niveau de la clôture et qu'il ne dépasserait pas les 55 décibels.
Et là, maintenant, nous en mesurons 84,2 devant la grille. Alors que c'était seulement un tout petit avion de 80 tonnes. Vous pouvez vous imaginer ce que donne un gros porteur de 350 tonnes, facilement 95 décibels, voire carrément 100. Le gros porteur suivant ne tarde pas à arriver. Depuis que Ryanair est moins présent, ses avions cargo rallient plus régulièrement le Hunsrück en journée. La compagnie aérienne états-unienne Atlas Air fait partie des nouveaux habitués. L'un de ces avions attend actuellement l'autorisation de décoller. À son bord, une cargaison ne relevant pas du tout de l'aviation civile. Normalement, ces appareils d'Atlas Air, au service des États-Unis, transportent des troupes ou des vivres vers le Proche-Orient, l'Afghanistan ou l'Afrique. Ou alors ils reviennent de ces destinations avec des soldats qui retournent ensuite aux États-Unis. Des avions militaires sur un aéroport civil financé par l'argent public? La direction de l'aéroport n'a pas voulu le confirmer. Pourtant, on peut facilement suivre l'itinéraire de ce vol sur Internet. Quand on entre le numéro de vol, on obtient le trajet complet de cet avion. Il est ensuite allé en Jordanie, sur la base aérienne d'Azraq. Puis il est reparti aujourd'hui à 11h34 vers Houston, au Texas. Depuis l'aéroport de Hahn, on peut dire que le Koweït est plus souvent desservi que l'aéroport de Londres-Stansted, la destination principale de Ryanair. Cela fait longtemps que les vols militaires ne sont plus exceptionnels à l'aéroport de Hahn. Quant à la compagnie Ryanair, elle se retire toujours un peu plus. Plus aucun vol ne dessert l'aéroport de Londres-Stansted, alors qu'il y avait encore 6 trajets quotidiens il n'y a pas si longtemps. Et Hahn ne reçoit plus aucun passager en provenance de la capitale britannique. Il y a eu ce rêve collectif d'un tourisme en expansion, d'un véritable boom en Rhénanie-Palatinat, en Moselle, près de la Nahe, du Rhin. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Et depuis, beaucoup de lignes encore empruntées par des touristes ont été fermées. L'avenir s'annonce noir pour le secteur économique qui vit de l'aéroport. L'hôtelier Michael Wilvert ne sait pas encore si ses investissements continueront à lui rapporter de l'argent. Je comprends les gens qui se plaignent. Je suis assez amer, moi aussi. Je préférerais qu'il y ait 10 avions basés ici, un aéroport prospère et que Ryanair paie assez pour le faire vivre. C'est principalement ça le problème. Comme les vols ne partent plus d'ici, Ryanair ne paie plus grand-chose. Ryanair est un prédateur. Il faudrait se comporter de la même manière. Mais les communes et les administrations qui soutiennent le projet de l'aéroport de Hahn en sont incapables. C'est là le problème. À partir de 2024, par décision de l'Union européenne, toutes les subventions pour les aéroports régionaux seront interdites. Le Land de Rhénanie-Palatinat, qui était encore récemment le propriétaire principal de l'aéroport de Hahn, a revendu ses parts à un groupe chinois. Pour pas moins de 15 millions d'euros, avec une option pour acheter d'autres terrains voisins. Pour la première fois, on évoque un projet de zone industrielle près de l'aéroport, ce qui induirait des investissements pour de nouveaux emplois dans la région. Pour le maire, Harald Rosenbaum, ces projets ne sont assortis d'aucune garantie. Ni Ryanair, ni le nouveau propriétaire chinois ne lui ont fait part de leurs ambitions concernant l'avenir de l'aéroport. Pendant 25 ans, cet aéroport a connu des hauts et des bas. Et à présent, nous sommes à nouveau dans un mouvement de reflux. Il y a 2 jours, s'est tenue une grande réunion à ce sujet. Tous les participants étaient unanimes pour soutenir cet aéroport comme avant. Nous étions vraiment tous d'accord. Mais malgré cela, nous aimerions quand même voir les choses évoluer en face de nous et être informés de la stratégie de nos interlocuteurs. Sur son planning de vol pour la saison estivale,
Ryanair a encore retiré des avions de l'aéroport de Han. Alors qu'il y en avait 11, seuls 2 stationnent encore ici actuellement. Peter et Monica ont peut-être bien pris leur dernier vol low cost depuis Han.